Bonjour. Alors qu'il commence à se faire tard et que je n'ai pas encore tourné, monté plutôt un seul des épisodes de Metroid Dread, alors bon, malgré ce que je dis au début de l'épisode 1, j'aimerais bien vous sortir quand même au moins le début du let's play assez rapidement. On est parti pour le troisième épisode de notre let's play. Parce que le jeu est trop bien quand même. Non, c'est bon. On va où déjà? Ah oui, par là. Ah oui, on va par là et on a plus de vie. Et on va aller rejoindre notre ami Lemmy. Ouais. Oh putain. C'est comme ça. Hein. Bah ouais. Je fais comment là? Mais non, mais fais pas le con. De moins en moins de vie, hein. Ah bah voilà. Ceci dit, si je fais continuer, au moins je vais revenir avec toute ma vie, là. Il va être devant moi, ce bâtard. Bah ouais. La 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 la. Ouais, mais en fait, viens. Vas-y, viens. Ah tiens, et là si je fais ça, il se passe quoi? J'ai peur. Ouais. Abort mission, faisons ça. C'est pas grave. Ça me va aussi. Voilà, c'est bon. Tout va bien, non mais tout va bien. Regardez. Voilà, alors qu'on est devant des ruines de la civilisation Chozo, peut-être. Voilà, activons ça. Bon, en vrai, je sais pas si c'est vraiment les choses. Si. En vrai, si. Les choses, ça. Je crois. Ça ressemble un peu au truc qui nous a cassé la gueule et c'est un choseau, donc. Ça doit être des choses. Mais ma vie, là. Je veux de la vie, moi. Donc, toi, tu vas me donner de la vie. À boule, la vie. Voilà. Non mais vas-y, Seimus, fais pas ta. Ouais, par contre on retourne là-dedans là. Yes hein. Non mais regardez-le. Ça je pense que je peux pas. Non mais ouais, abort mission. Ok. Ça me va. Hop là. Oui. Oui. Ah, c'est quand même... Franchement, le gameplay est vraiment trop bon. C'est un pur délice. Voilà. Donc ça, on met la max dedans. Et on active ça. Ok. D'accord. Oui, ce que j'allais dire, la lave, elle y était déjà. D'ailleurs, je sais qu'il y a de la lave. Là, par contre, en haut, il y a une cellule d'énergie. Moi, c'est ça que je veux. Bah, c'est ça que je vais pouvoir récupérer, d'ailleurs, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment une cellule d'énergie, ça? Ah, c'est pas clair, hein. Ouais. Bah ouais, mais non. Bon bah non, bah du coup il faut que je retourne vers Lemmy, hein. Visiblement. Ouais.
Ah si, oui d'accord, ok, ça a activé ça. Allez hop. Ouais. Ah, c'est les trucs à... Tête sur Zerch. Oui, bah bonjour. Ravi de te rencontrer. Y'a un truc là. Attendez, mais... Je comprends pas, j'ai l'impression d'être passé par là, mais en fait non. Non, allez. On va dire que non. Je sais plus. Je suis perdu dans la map. J'ai vraiment un sens d'orientation qui est dégueulasse, c'est terrible. C'est... Ouais, oui, non, on est déjà passé là. En vrai, j'ai vraiment l'impression de m'être amélioré, hein, mais à chaque fois que... Voilà. Level design est très efficace. Non, je suis pas stressé par les ennemis, non, absolument pas. Ce serait mal me connaître. Ah, c'est un... Ah, c'est de la merde cet endroit. Je reconnais. Mais non, mais... Bon, je sais pas ce que je fais, hein, mais je le fais. Voilà. Super. Mais non, mais ça, c'était une porte bleue, non? Ouais. Non mais, attendez, j'ai vraiment ouvert tout un passage pour être revenu ici. Ça va pas, hein. Ah mais là, c'est la zone de Amy, là. Oui, ça, ils s'appelleront tous Amy, mais c'est pas grave. De Amy, Amy Green. Amy Greenhouse, voilà, super. Je voulais pas faire la blague, je l'ai faite, super. Non mais dégage. Ça, du coup, je peux lui fermer à la gueule, en fait. Je crois. Et là, le problème, c'est que c'est là où je sais pas vers où il faut que j'aille. Peut-être là, hein. Peut-être que là, ça a l'air pas mal, hein, vu que je peux passer. Oui, bah oui. Aïe. Y'a moyen. Il y avait moyen de le counter. Ouais, mais même si je m'accroche, ouais, voilà, de toute façon elle fera rien. Elle fera rien parce qu'elle veut pas le... Parce que je n'ai pas encore le pouvoir qu'il faut. Ah mais donc ça aussi? Oh quel plaisir. Ah mais quel plaisir. Mais... Non mais Samus, fais un effort. Non mais... Samus... Mais non mais... Bon bah c'est pas par là. Ceci dit, c'était par là la grande plateforme là. Non? Si c'était là. Donc là, il doit y avoir une dingue. Coucou. J'essaye. J'essaye de faire X au bon moment. J'appuie sur X des fois à certains moments et j'essaye de voir si ça fait quelque chose. Je vais essayer de spammer X. Ouais, c'est sûr que si je lui tombe dessus aussi. Ah, mais c'était... Attendez. Je refuse de croire ce que je viens de voir, là. Oui, non, mais on peut aller là. Et là, il y a un truc. Ah, mais là, il y a un truc, mais c'est nul. Ah, là où je peux peut-être essayer de revenir par là. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Bon. Ok. Essayons de voir. Pour l'instant, on est perdu. Toi, t'es toujours au bon endroit, hein. Bien le bon endroit de merde, hein.
Mais bon, ça va. En vrai, ça va. Ah! Je crois que je viens de faire un truc bien là. Pour mais il faudrait que je retourne. Ah ouais, il faudrait que je retourne là-bas. Ok, ouais, je vois par où on allait. Viens, viens, viens toi. Toi t'es gratuit normalement. Voilà, tu me donnes de l'énergie. Voilà. Module d'énergie obtenu 1 sur 4. Comment ça, on a des quarts de cœur maintenant? Yes. Bon bah très bien. Tout va bien. Du coup ça c'est bon. Mais ça me recharge mon énergie. On s'en fout. Voilà. Plutôt que de faire le sac à merde et mourir, on fait ça. Et là on monte. Non mais. On monte. Et on regarde ce qui se passe ici. Voilà, là on peut aller là. Là on a une réserve d'énergie. Au moins c'est propre, c'est net. Salut. Ah, maintenant qu'on sait qu'on peut faire ça, trop bien. Là c'est là où il faut que j'aille. Donc là c'est par où? Là il y a une recharge. Là il y a un truc là. Bon là il y a un truc là. 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 Genre. Où sont les secrets? Tant pis. Oui, j'ai gaspillé 9 missiles, oui. Bon. C'est pas grave. C'est pas très grave. Hop là. Redirection du flux. On peut ouvrir la porte là. Ah, peut-être que... Non. Ah, et le missile, ça les alimente pas. Mais c'est trop kiffant de faire ça. Sauf quand tu rates. Voilà. Voilà. Tu peux même les faire depuis le rebord. Allez hop là, je suis venu le chercher. Oh salut. Ah. Ah mais c'est trop bien. Aïe aïe aïe. Hein? Bah, j'ai cru qu'il y avait eu un bruit bizarre, mais non. Super. Bon, ok, ok. Un petit passage. Si jamais il y a un ennemi qui nous vient dessus, même si normalement c'est pas sa zone, voilà quoi. Par contre, en vrai, il y a tout un tas de détails en arrière-plan. C'est vraiment stylé, hein. C'est vraiment très stylé. Hein. Comme je l'avais dit, moi je suis pas au fait de tout le lore de Metroid. Je sais globalement des trucs. Genre voilà, Samus elle a été élevée par des Chozo. Les Chozo ils sont à l'origine de tout. Je suis l'alpha à l'oméga. Non, bon, non, ça non, mais. Ah, on peut aller à Dairon. Non, mais attends, calme-toi. Bon, allez, on y va. Non, mais la map. Du coup, on a laissé un ennemi derrière nous. Ça, on va dire qu'on le vit bien. Ah, mais on a rien exploré ici, c'est terrible. Enfin, de toute façon, partout on explore rien. De toute façon, pour l'instant, là, on va aller à notre vaisseau, on va se rendre compte que c'est la S et puis on va repartir, quoi. Mais ouais. Je sais pas s'il y a des trucs à en déduire, du coup, en vrai. Mais sûrement. Sûrement, il y a des trucs à déduire dans l'arrière-plan en mode. Ça, ça veut dire ça. Le fait que voilà, il y ait des espèces de. Alors, c'est pas des hiéroglyphes, mais des représentations un peu style égyptienne, des chozo.
Ça veut sûrement dire quelque chose. Ça me fait penser à Metroid Prime 3, en l'occurrence. Ces espèces de transporteurs là. Je sais pas si c'est les mêmes, mais ça me fait penser. Allez, let's go. Bon, déjà une zone superbe. Ah, ils sont level 2. Bon, non mais non, ça se passe mal. Ça s'est mal passé. Ouais. En tout cas, je pense que voilà, un gameplay propre. Non mais vraiment les pires timings là. Mais il m'énerve lui hein. Mais oui, mais lui il faut le taper au cac. En fait, il faut venir le taper, c'est pas son rayon que tu comptes. Bon, c'est pas pour ça hein, que j'ai pas réussi à le dévier, mais... Bon. Enfin, si, du coup, j'aurais pas pu le dévier. Non, mais ça détruit, ça. Hein ? Bon. J'ai pas encore le pouvoir, je pense. Ça non plus, je pense que j'ai pas encore le pouvoir. Bah, après, je... Ou alors, je comprends pas. Bah, non. Voilà. On a dit tu attends que tu puisses le bourrer. Non mais ça on s'en fout. Ça c'est louche. Ça c'est une sauvegarde. Allez. On va sauvegarder. Est-ce que ça veut dire qu'on a un petit boss derrière? C'est pas impossible. Bon, il manque 5 PV, ça devrait aller. Aïe. Ah oui, moi je veux faire ça, moi. D'accord, je peux pas le contrer. C'est ce que je voulais vérifier. D'accord. Ça se redétruit pas. Ah. D'accord. Ça m'envoie ses pics de mort. Non. Est-ce que je peux les contrer? Avec un vrai timing par contre. Je crois pas. Non, je peux pas. Confirmé, je peux pas. Ouais. D'accord. C'est une recharge, ça. Bah. Taper un boss, là. C'est sûr, je vais me taper un boss. Ah, bah, t'es revenu, toi. J'ai bougé trop tard. Ah, mais si je fais continuer. Là, il va encore me mettre en mode bip, 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 bip. Ouais. Ah non. Ah non, là, ça me met... d'accord. Ok. Bon, ça me va, en vrai. Ça me va parce que j'ai pris beaucoup trop de coups, ici. Ok. Du coup, là-haut, il y avait un truc, aussi. Ah, mais là, ça, c'est une porte triple voie. Je ne peux pas le faire. Là, je suis un connard. Et là, je peux pas y aller. Ok. Donc, finalement, il ne reste plus qu'ici. Et encore une fois, j'ai un niveau de vie qui est déplorable. Bon, elle est cassée, celle-là. Elle est cassée, la statue. D'accord. Sympa comme ambiance, ici. Oh, le non-timing, c'est incroyable. Alors, j'ai appuyé sur le bouton X, mais à la frame, on m'a touché, quoi. Couleur des salles, oui.
Ok, allez, on y retourne. Les bonnes ambiances, mais c'est... C'est trop marrant aussi, ouais, avec la combi translucide, là. Ah ouais, eux, ils dashent beaucoup plus... beaucoup plus loin, aussi. Eux, ils te ratent pas, quoi. C'est le L2, quoi. Non mais viens! Saloperie! Dans une partie visiblement, en tout cas en manque d'alimentation, au moins. J'aurais cru détruite, mais visiblement la lumière fut. Donc rétablissons la zone. Que peut-il bien se passer de mal en faisant ça? Et du coup on réalimente les portes. Nice. Le jus d'orange, il est là, donne. Le rayon large a été obtenu. Rayon large. Tire 3 rayons simultanés. Permet de pousser des caisses rayons larges. Et de détruire les blindages rayons larges. Du coup, maintenant c'est à vie. Maintenant, triple tir, triple shot. Ta 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 ta. A triple shot sans nerf de tears down. Sans nerf de tear rate. Mais par contre. Oui. Je passe comment là? D'accord, ouais. Ah ouais, ah ouais, 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 ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Oh nice. Ah ouais, mais là du coup, là ça y est, là on débloque 12 milliards de zones. Le Metroidvania commence. Et forcément, bah du coup, ma puissance de frappe est multipliée par 3. Ah ouais, ah ouais. Oh les rayons. Oh les rayons qu'on fait. Ah oui, c'est ça les... D'accord, et donc il faut que je charge. C'est vrai que je peux charger. C'est vrai que je peux charger mon rayon. Mais non, mais... Voilà. Ok. Le raccourci a été débloqué. Ouais. Ah. Ça va pas être le vert ce coup-ci, du coup. Ah bah là, c'est un vrai jaune. Oui, là, il n'y a pas de doute, il est jeune, il est même goldé, lui. Ah, il va... petit bâtard. Chais, mais ça a pas l'air de t'avoir suffi, là. Attends. Elle est passée par ici. D'accord. Elle repasse là par là. La salle de sauvegarde. Si on fait le... Hein? Attendez, c'est de là d'où je viens? Ah, en fait, j'ai pu venir, mais j'ai pas pu repartir, en fait, d'accord. Je devais être bloqué après à ce moment-là. Bah, du coup, ouais, mais là, en fait, on a obtenu le triple shot, donc finalement, on a obtenu ce pourquoi on était là, non? Ou est-ce que j'ai des portes que je peux débloquer ici dans la zone? Rayon de puissance, rayon de puissance. Bon, après, il y a plein de trucs que je peux récupérer, mais je me dis, bon, à mon avis, ça, j'irai dans un second temps. Non mais partons hein. Enfin, justement en fait, vu que c'est un Metroidvania, je vais pas le jouer en mode je fouille tout dès le début, mais je vais attendre de récupérer mes pouvoirs. Je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude en fait. Mais par souci d'intelligence, parce qu'à chaque fois je me dis à chaque fois c'est la même chose dans ces jeux.
Je me dis mais pourquoi je fais ça maintenant, pourquoi je m'emmerde. Voilà, le triple shot ça m'ouvre énormément de choses. Je crois. En tout cas là c'est... Non mais je veux choper la réserve de missiles. Donc, essayons de choper la réserve de missiles. Voyons voir si c'est possible. Ouais, on va mettre un marqueur dessus. Ah mais non, je pourrais pas. Je pourrais pas parce qu'il me faut ça là. Ça c'est pas le triple shot. Tant pis. Tant pis, redéplaçons-nous. Et on est de retour sur Qataris. Sur la planète des Qataris. Bon, en vrai, je vais essayer de bourrer un peu tout. Hein. C'est bon, jamais. Ah, le triple. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, il y a des trucs où. Oui, bah là, déjà. Bon, bah, laissons-nous guider par le jeu. Oui, alors voilà. Là, il fallait bouger parce que sinon je me faisais bouffer quoi. D'accord, donc là, nouvelle zone. Paf, nouvelle zone. J'ai hésité une demi-seconde, mais. Ah, donne. Ah ouais. Donne-moi la frappe Oméga là. Ouais, il suffit de faire ça, hein. Pour aiguiser aussi, accessoirement. Ah, ça détruit les anneaux de Sonic. Il y a eu un moment donné où j'ai décidé de m'en foutre, en fait, ouais. Ouais, j'avoue. Je me suis rendu compte que j'avais de la vie. L'énergie de l'unité centrale a transformé votre canon en canon Oméga. Vous pouvez désormais défoncer la gueule d'Emmy. Ah oui, Rafale Oméga opération. Oui, oui. Oui, mais mes délires habituels, quoi. Donc là, je fais ça. Ah oui, là, je fais ça. Bam. Salut, Emmy. Ouais, alors non. Là, ça... Ah, oh, j'aime bien ça. J'aime bien cette ligne droite-là. Ah, c'est pas ouf, hein. Mais il est méga rapide là d'un coup, il est méga vénère. Je pensais pas qu'il était à ce point. Oh j'ai... Ah j'ai lâché le bouton. J'ai lâché le bouton sous la pression. Franchement. Raté. Non mais je vais refaire le tour. Hein. Putain, j'ai eu un doute, en fait j'ai eu peur qu'il fasse le tour.
Quel enfer! Bon allez, c'est bon là. On arrête les conneries. C'est bon. Oh la boule! Oh yes! Ça y est! Oh, on va pouvoir jouer au jeu. Oh mon dieu. Oh, c'est fini. Appuie sur ZR. Non, c'est bon. Permet à Samus de rouler en boule et de se faufiler dans des espaces étroits. Appuie sur ZL ou inclinez le stick gauche vers le bas quand Samus est accroupi. Sous la forme de boule morphing, appuie sur B pour sauter. À proximité d'un tunnel étroit, près du sol, appuie sur B en déplaçant Samus dans la direction du tunnel avec elle pour qu'elle se transforme automatiquement en boule morphing et rentre à l'intérieur. Cela fonctionne aussi lorsqu'elle est à proximité, enfin elle est accrochée à une corniche, menant à un tunnel étroit. Oh, quel plaisir la boule morphing. Quel plaisir. Oui bon, canon Omega, oui. Oh, 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 waouh. Je peux pas encore faire de bombes. Pas le droit. J'ai pas le droit de tirer. Faut que j'aille par là. Pas du tout. Il avait l'air peut-être d'avoir un truc en haut. Je sais pas. J'aurais pu m'échapper par là. Ils font quoi là? Quoi ces machines là? Putain, l'ambiance là d'un coup? Trop marrant. Trop sympa. Non mais bah en fait en vrai il doit y avoir un endroit où utiliser la boule magique et bon, la boule morphing, pardon. Ah, cette bouboule là. Non mais vas-y, vas-y. Non mais du coup... Non là non, il y avait rien. Oh, ah bah non, mais là c'était où il y avait les tourelles. Ah oh, bah oui, mais là. Ah ouais, mais du coup, ah, on va pouvoir passer à tellement d'endroits. Ah, ça y est, là, on a débloqué un peu les bases. Bah, bah, même ça. Oh, quel plaisir. Bah. Ah, je peux pas... C'est trop étroit pour que je me... Ok. Trop étroit pour que je vois le jump. Alors ça, on me dit que c'est une zone d'ennemi. Oh, je vais tomber sur un ennemi, je vais pas être content, hein. Ah mais non, mais là on y a été. On connaît ici. Mais du coup on n'avait pas pu aller là. Notamment. Non mais sinon on fait ça et ça. D'un moment. Ah, j'ai récupéré 5 missiles. Félicitations. Non mais non, bah non. On peut sauvegarder ici, on va sauvegarder là. Oui, oui, on va continuer encore un peu. Ok. Ouais, ça c'est des choseaux. Ça, je suis sûr c'est des choseaux. En vrai. Bah ouais. Grande réserve de missiles obtenue. Capacité augmentée de 10. Bam, 39 missiles. On n'utilisera quasiment jamais, mais en vrai contre les boss, je vais essayer de les tartiner un peu. Téléportail rouge. Utilisez les téléportails pour se rendre ailleurs. Bah vas-y, let's go, hein.
Et on retourne donc à Artaria. Qui était donc la première zone du jeu. Je sais pas si on est déjà allé ici, hein, parce que mémoire de poisson rouge. Si je crois, mais on n'avait pas accès à ici. Je pense. Sauf que là maintenant, on est bien plus fort. Et en plus, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ah. Ça, je sais pas ce que c'est comme signe. Ça, du coup, je peux faire ça, quoi. Bah, c'est peut-être le truc du signe de la bombe. Justement. Ok. Donc ça, je peux faire ça. Voilà, 41 missiles. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on sait pas ce que c'est. Ça, c'est un téléportail rouge, strap thermique. Oh, ça, y avait une unité de recharge d'énergie là-haut. Ah, mais je peux pas y accéder parce que c'est trop haut. Ouais. Bon, ça, en tout cas, c'est trop haut. Je sais pas trop si je vais à droite ou à gauche. Bon, allez, on va aller à gauche. On va tenter la gauche, voir si on peut aller par là, l'endroit où on n'a pas vu. Comment on n'a pas exploré. On va sauvegarder. Soyons bons, soyons prudents, sauvegardons. Alors, on peut passer là. Module d'énergie, voilà, on a eu un deuxième quart de cœur. Et passons là. Ouais, du coup il retourne dans son nid. Saloperie. Ok. Ah. Pas encore le truc pour ça visiblement. Non mais oui, mais on avait dit ça. Voilà. Ça, on n'a pas le truc. Ça, oui. Non, mais... Ah oui, non, en fait, c'est qu'il y a des grosses portes aussi qu'il faut charger, mais du coup, avec le triple shot, quoi. Ok. Bon, redirigeons le flux. La redirection du flux est activée. Voilà. Ah. D'accord, d'accord, hein, non mais superbe. Pourquoi j'ai pas visité l'autre truc avant? Tout va bien? On est vraiment? Non mais... Samus fait un effort! Non, elle va mourir. Non, elle fera pas d'effort, non? Non, bah non. Allez, c'est reparti. Combien de morts? C'est même pas que le jeu est dur, hein. Alors, pas spécialement. Moi qui voilà, hein. Moi qui suis à chier, hein. Faut le dire. Bon allez, on va réactiver ça. On va run. Bon du coup il y avait rien. Ça va. Ouais. Moi j'étais frustré pour rien, mais ça me fait. Moi je suis maintenant je sais. Maintenant je suis au courant quoi. Allez, let's go. On a compris, c'est un speedrun. Autant être le plus réactif possible. Hop là. Bon ouais, bon alors là c'est prank sur prank, voilà, ouais super. Hop. Bon.
Ah, tout va bien. Cette porte là, je sais toujours pas comment les ouvrir. Ça je peux, et ça je peux. Ah, alors que le pouvoir Chozo, le pouvoir est en moi. La combinaison Varia a été obtenue. C'est résistance à la chaleur, ça. Je sais plus si elle était dans fusion, celle-là. Je sais qu'il y avait plusieurs combinaisons, je me rappelle plus. Réduit les dégâts infligés par les attaques ennemies et protège Seimus de la chaleur extrême. En revanche, je ne protège pas du froid extrême ni de la lave. Augmente par ailleurs légèrement les dégâts infligés par la frappe en course. Sympathique, ça. Effectivement, on voit qu'elle a une nouvelle couleur. Comme pour fêter ça. Ok, plaisir. Coucou. Non mais coucou, on a dit. Bon, ça protège pas de la lave. Non mais certes. Non, il fait quelque chose. Ah, celle-là elle compte pas en vrai, c'était pour récupérer l'objet. Non mais en vrai, si j'étais pas resté bloqué pendant une demi-heure. Vous voyez là, je récupère ça. Là je me casse. Vous voyez, j'ai encore de la vie, c'est bon. Je me fais one shot, certes. Mais j'ai encore de la vie. Ok. Oh la bouboule. Qu'est-ce que j'aime cette bouboule. Voilà. Oh, oh mais. Non franchement le gameplay est vraiment trop agréable. Je sais pas combien de fois je vais le dire. Mais beaucoup. Supposément beaucoup. Ok. Ah mais. Hein. Ah mais non mais unité de recharge d'énergie. À chaque fois je me fais prank en fait. C'est le truc qui me rend ça quoi. Alors que 50... Comment ça 50 sur 51 missiles là? Rendez-moi mon missile. Mais non, ça c'est le téléporteur. Non, non, je veux pas. Abort, abort. Je pouvais me mettre... Non. Est-ce que je pourrais me rendre... Hein? Pourquoi je peux plus? D'accord. Bon bah si, du coup, oui, bah vas-y. Ceci dit, oui, c'est vrai que j'ai obtenu la combinaison Varia. Ok. Bon, ben, par là. Non. Du coup, en fait, faut aller vers les zones de grosse chaleur, quoi. Unité de sauvegarde. Ah oui, je peux sauvegarder ici. Non, on va continuer encore un peu et ensuite on va s'arrêter. Mais après. Non, mais vraiment. Ouais, vas-y. Mais calmez-vous. Détendez-vous, vous. Trop tôt. Yes. Non mais stop, stop, stop les bêtises, on a dit. Je prends toutes les conneries du monde. Hein. J'aime bien comment la caméra se rétrécit et tout. C'est stylé comme ambiance là.
Non mais, ah mais, au secours. Ah mais du coup ça doit se voir ce counter. Yes. Non mais. Pas beau lui. Où t'as une sale tête. Samus zéro pression. Hein. Ah bah en même temps, ouais, bah ouais. Ah t'as vraiment une sale gueule toi. Mais c'est peut-être toi, non? T'es pas parti des dessins toi? Oh, il faut que je repasse. Deux secondes, voilà. Ah c'est d'accord. Une tire ses ongles dans la gueule. Et il croit que je vais trouver ça normal. Quelle indignité. Mais non mais non mais au secours. Ah oui les missiles. Non mais en vrai il faut que je récupère ça, ça va me donner des ressources. Ah vraiment, ça l'a pas détruit quoi. Donnez de la vie là, donnez de la vie, à boule la vie. La vie. Voilà, les griffes. Non mais vise-lui la tête. Tête, on a dit. Voilà, chef. Y'a pas un moyen de lui faire un X quelque part? Je sais pas si on peut lui counter quelque chose. Non. Non mais on va continuer de faire ça hein. Allez là on récupère de la vie. On grid pas. Mais vas-y, fais ça, hein. Fais ça, redonne-moi toute ma vie, hein. Pas de soucis. Voilà, hop, je suis full life. Merci. Il est sympa, hein. Il est sympa, en fait. Hein. C'est un peu un copain, quelque part. Un peu victimisé, hein. Ah. Libérer tes chaînes, ce sera peut-être plus la même. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Oui, il a un t'as des bons gros trous dans le bide aussi. D'accord. Vous pouvez faire une dingue là. Une dingue-zerie. Une dingue-zerie. Au secours, au secours! Non, non. Oui. D'accord, en fait c'est plus résistant que je pensais. Putain, mon tir chargé doit infliger des sales dégâts en vrai. Hein. Ah ouais, je peux. D'accord. J'aurais pu enchaîner quoi.
Non mais vas-y. Bon. Mais non mais... Je t'ai bien monté la première fois. C'est triste. Oui, bon. Quel connard. Mais non. Oh, j'aurais jamais dû mourir sur cette phase là, surtout sur cette attaque de mort là. Bon, après ça c'est bien du coup, à la limite c'est bien, ils me font refaire le boss, moi je suis content. Je préfère ça que de recommencer de la pédo. Allez, bouffe, bouffe, bouffe. Quel enfer. Ouvre la bouche. Non mais... Voilà. Je sais pas combien de vies j'ai par contre. Ouais, ça va. Quel connard. Mais non. Allez, hop là, bou 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 bou. En fait, je sais ce qu'il faut que je fasse là. J'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Bah oui. Ça, c'était sûr. Ah, restez là. Moi, je me fais avoir par toutes les baises. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais moins de dégâts? Pourquoi j'ai ça. Hein? Pourquoi j'ai cette impression de faire moins de dégâts? S'accrocher. Enfin, elle veut pas s'accrocher plutôt. J'y peux rien. Hein? Ah, mais je peux les. Non? Ah non, je peux pas les dévier les bouboules. Super. J'ai pas perdu de la vie pour rien non. Ouais, ok. Ah! Oh, ça se contrait ça! Mais non! J'ai visé trop tard. Je pensais à viser trop tard. Mais non, je suis pas accroché. Cauchemar. Aïe. Ok. Voilà. Là tu vises. Comme ça moi je peux faire des mouvements vers le haut. Voilà. Fais ton X. J'ai pas voulu que je riposte. C'est dur.
Quelle classe cette Samus quand même. Trop forte. Bon, si on accepte mes morts minables, mais elle, elle est trop forte. C'est moi qui suis nul, quoi. Oh! Donnez-moi le pouvoir de la bouboule magique. Le pouvoir. Rayon à dispersion obtenu. C'est bien le pouvoir de... Permet au tir de rayon de charge d'exploser à l'impact. Maintenez Y en poncé pour charger, puis relâchez pour tirer. L'explosion traverse les parois. Non mais en vrai ça fait quoi du coup? D'accord, c'est on a un... Ouais, ça se disperse quoi. Moi je trouve que c'est parfait comme ça. Je veux dire, elle se positionne quand même. Là, elle est parfaitement calée là. Genre c'est incroyable. Bon, faut qu'on trouve un point de sauvegarde et on s'arrête hein. Non, ça c'est une zone en dessous. D'accord, c'était mon seul moyen de toucher ça, notamment. Ah, et là, du coup, je peux le faire aussi? Non. Là, ça se disperse pas assez. Ouais. Faut pas déconner non plus. Ah, et ça? Non, ça ne s'ouvre pas avec ça. J'ai rêvé. Par contre, je peux me... Ah, je peux me re-TP en Dayron maintenant. Ah oui, mais c'est... Attendez. J'ai une amnésie encore, hein, mais ça c'est... Voilà. J'ai pris un TP de Dayron à la base qui m'a ramené. Et ensuite, c'est de cette zone où j'ai été ramené que je suis revenu en... Enfin... J'ai eu un TP en Dayron qui m'a ramené à Qataris. Ou c'était... J'étais revenu par le tramway, là. Ça, la question... Il me semble que je suis revenu par le tramway. Donc non. On n'avait pas eu de raccourci comme ça. C'est nouveau, lui. Ah oui, on n'est jamais allé là. Ça me parle point. Oh. Oh, j'ai bourré un mur au pif. Ah mais ça oui par contre. Ok, bon, on n'était pas allé là. Bon, de toute façon, on va chercher un point de sauvegarde et on va s'arrêter, hein. Mais vraiment incroyable, hein. Vraiment trop bien le jeu. J'aime trop. Non mais... Ah, vas-y, c'est chaud là. Mais J'ai envie de faire des conneries là. Je veux dire... C'était sûr. Et là, je me fais karma tête, je reviens avant le boss. Non. Je reviens à mon arrivée à Dayron. Ouais, mais ça, voilà, on s'en fiche. Voilà. Nous, on a décidé qu'on irait là. Voilà. Mais ça, là, il y a zéro way. Il y a moyen d'un... Normalement, il y a moyen, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un double saut, en fait? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Parce que bon, le double saut, c'est sûr qu'il va arriver. Il y a un Metroid, quoi. Ou alors, peut-être une immunité à la lave, hein. Qui sait? En tout cas, Adam. Et Adam qui dit Adam, 10 points de sauvegarde, donc on pourra s'arrêter après. Cette zone, Dayron, semble être un laboratoire de recherche biologique. Tu y as déjà réactivé un générateur. Il y a un autre secteur au-dessus de toi qui n'est toujours pas alimenté en courant. Trouve le prochain générateur et réactive-le. Tu retrouves progressivement tes compétences. Je n'ai toujours pas déterminé ce qui t'est arrivé sur le plan physique. Quoi qu'il en soit, ne baisse pas ta garde. Ton objectif...
on va sauvegarder. Ok, bah écoutez, sur ces belles paroles d'Adam, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura découvert de nouvelles planètes, on aura affronté un nouveau boss, découvert des nouvelles capacités pour notre Samus, donc franchement c'est cool, le jeu est vraiment trop sympa, j'aime beaucoup, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, c'était Blue, prenez soin de vous, bye bye.